Alors, si on prend les choses en partant du réel, en partant de l'actualité, pour voir comment s'inscrit ce travail constitutionnel dans le réel. Parce que ce qu'il faudrait, avant qu'on en discute, ce qu'il faudrait, c'est qu'on remette quelques mots à l'endroit, parce que presque tous les mots en matière politique ont été liés à l'envers. Si on observe le réel, en ce moment, c'est plus facile, parce qu'en ce moment, c'est vraiment caricatural. Ce qu'on observe en ce moment, c'est que nos acteurs politiques, en faisant semblant, en prétendant, en poussant des hauts cris, en prétendant servir l'intérêt général, nos acteurs politiques, aujourd'hui, ça se voit plus en Grèce qu'en France, mais ça nous prend, mais on va l'avoir bientôt en France aussi, nos acteurs politiques servent très prioritairement l'intérêt des banques avant de servir l'intérêt général. C'est-à-dire que pour nous, on ne trouve pas d'argent, mais pour les banques, on en trouve énormément. Mais des milliers de milliards pour les banques, et même pas des millions pour les gens normaux. C'est-à-dire tout le monde, les 99%. Alors, jusqu'ici, je disais riche et pauvre, et ça pose un problème parce que on ne s'identifie pas à riche et on ne s'identifie pas à pauvre. On ne veut pas être un riche, on veut pas. Pourtant, c'est vrai qu'on est bien, on est toujours le riche de quelqu'un, mais quand je dis riche, je pense aux ultra-riches, aux 1%. Et en fait, 1%, ça va être mieux. Il faut que quand je dirais riche, il faut me corriger. Et il faut dire 1%, c'est plus clair. Parce que c'est un toute petite partie de la population que je vise quand je dis les riches. Et quand je dis les pauvres, je parle de nous. Et pourtant, on n'a pas envie de dire de nous des pauvres. Donc ça pose un problème, ce mot-là. Ça dit bien ce que ça veut dire, mais pas. Enfin, ça pourrait dire ce que ça veut dire, mais il se trouve qu'il y a quelque chose qui est gênant. Donc si je dis 99%, on comprend mieux. Je dis 99%, c'est nous. Nous tous. Donc, ce qu'on observe de façon caricaturale, et là je ne vais pas développer parce que je crois que vous avez suffisamment d'exemples pour être d'accord, mais si vous trouvez que je me trompe ou j'exagère, on pourra en parler si vous voulez, mais il me semble que les gouvernements, les acteurs politiques aujourd'hui suivent prioritairement les intérêts des 1% plutôt que l'intérêt des 99%. C'est dit gentiment, ça pourrait être dit plus en colère. Comment ça se fait ça? Alors pourtant, on nous rabâche tous les jours qu'on est en démocratie. Alors ça y est, je vais commencer avec les mots là. On nous dit tous les jours que nous sommes en démocratie. Là, je n'exagère pas. Moi, et je pense que vous c'est pareil, depuis que je suis petit, tout petit, on me dit élection égale démocratie. On me dit démocratie égale élection. Très bête. Élection égale démocratie égale élection. Ensuite à l'école, je l'apprends, démocratie égale élection. Élection égale démocratie. Ensuite, à la grande école, à la fac, en droit, j'apprends que démocratie égale élection, élection, démocratie. À la télé, j'entends parler de démocratie, donc d'élection, d'élection, donc de démocratie. Dans les journaux, dans les livres, à la maison, je dois avoir 4 ou 500 bouquins sur la démocratie. Il y en a 90 ou 95% qui ne parlent pas de la démocratie. Ils parlent du gouvernement représentatif, c'est-à-dire qu'ils parlent de notre régime actuel. Du gouvernement prétendument représentatif, c'est ça, c'est le vrai nom de notre gouvernement, je vais en parler dans un instant, et il ne parle pas du tout de démocratie. Alors, démocratie, il y a 200 ans, tout le monde savait très bien ce que c'était, et depuis 2500 ans, tout le monde savait très bien ce que c'était. La démocratie, c'est demos kratos, c'est le pouvoir du peuple, c'est le peuple qui vote lui-même ses lois. Démocratie, c'est un régime. C'est pas forcément le meilleur. Hein. Pour l'instant, je fais du vocabulaire pour remettre les mots à l'endroit. Parce que si le mot est à l'envers, ça nous pose un vrai problème pour trouver la solution. C'est très important, ça. Donc, démocratie, demos kratos, c'est un régime politique dans lequel le peuple écrit lui-même les règles auxquelles il se soumet. C'est lui qui exerce le pouvoir auquel il consent. Ça a existé dans le monde. Mais ça existait à un seul moment dans l'histoire des hommes, que je sache. Peut-être, il y a quelques petites exceptions, et je suis à peine sur les autres, ça m'intéresse, hein, les autres expériences. Enfin, il y a une grande période de la vie des hommes qu'on connaît bien, dans laquelle les hommes se sont organisés pour produire eux-mêmes le droit auquel ils se soumettent, c'est Athènes. Athènes, il y a 2500 ans. Alors, on va en parler un petit peu, parce que ces gens-là ont pratiqué pendant 200 ans
le tirage au sort, tous les jours, tous les matins, il tire au sort. Et il faut qu'on détaille pour qu'on comprenne comment est-ce que c'est possible. Parce que comme on ne nous l'a pas appris à l'école, et comme il ne faut pas compter sur nos élus pour nous l'apprendre, parce que eux, ça les mettrait au chômage, cette idée-là, donc ça ne leur plaît pas du tout, ils ne comprennent pas, ils n'entendent pas. Ils disent, vous êtes populiste, là, vous êtes arrêtés, vous me tirez l'oreille. Donc ils ne sont pas capables d'entendre, et il ne faut pas attendre des journalistes ou des parlementaires qui défendent l'idée que je vais défendre, il faut qu'on en parle entre nous. Mais vous allez voir que quand on en parle entre nous, nous qui sommes soumis au pouvoir, et nous qui ne comptons pas exercer le pouvoir, on comprend vite. Donc, je détaillerai tout à l'heure, démocratie, ça devrait être demos, kratos, le pouvoir du peuple. Et citoyen, ça devrait être le membre d'une démocratie qui est autonome, cet autonome qui produit lui-même le droit auquel il se soumet. Si on n'est pas autonome, si on n'est pas autonome, on est hétéronome, c'est-à-dire qu'on subit la loi écrite par quelqu'un d'autre. Or, c'est précisément la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Quelle est la situation? Et je n'exagère pas. Je pense que vous seriez capable de dire exactement la même chose que moi, il n'y a pas de difficulté. Quel est le régime? Quels sont les pouvoirs qu'ont les humains? Je ne dis pas électeurs, citoyens. Que les humains vivant dans le régime actuel, qu'on appelle fallacieusement démocratie, quels sont les pouvoirs qu'on nous laisse? Nous avons le droit, tous les 5 ans, de désigner des maîtres politiques qui vont tout décider à notre place pendant 5 ans. Ils vont tout décider à notre place. Je n'exagère pas. Quelle est la fois que vous avez voté une loi? C'est bien eux qui vont voter les lois, pas vous. Donc, nous désignons tous les 5 ans des maîtres politiques parmi des gens que nous n'avons pas choisis. Moi, je vois bien autour de moi des gens que je ne craindrais pas et que je trouve valeureux et qui seraient très bien pour écrire des lois. Mais c'est pas eux que je peux choisir. Ceux parmi lesquels je peux choisir, c'est vraiment des gens que je n'ai pas choisis. Donc c'est typiquement un faux choix de me permettre de choisir entre deux affreux. En tout cas, entre deux personnes que je n'ai pas choisies. Et pendant ces 5 ans, oui, parce que ce n'est pas forcément des affreux, il peut y avoir des gens bien. Hein. Et je n'ai pas du tout de garantie là-dessus. Et pendant les 5 ans où ces maîtres décident tout à ma place, je n'ai aucun recours dans le cas qui n'est pas qu'une hypothèse d'école, hein, qui est une vraie possibilité, où ils abusent de leur pouvoir, où ils mentent, ils trahissent leurs promesses. C'est quelque chose qui peut arriver. Ça s'est déjà vu que des gens soient élus sur des promesses et ne les respectent pas, voire même fassent le contraire de ce qu'ils avaient promis. Ça, c'est pas théorique. C'est une vraie possibilité. Et dans le cas où ça arrive, nous n'avons, et là je pèse mes mots, je vais doucement parce que c'est fort, nous n'avons aucun moyen institutionnel de résister à ces abus de pouvoir pendant les 5 ans. Nous sommes priés de nous contenter de pouvoir ne pas réélire, mes pauvres chéris, ne pas réélire les affreux qui nous ont menti pendant 5 ans. Menti ou trahi. La belle punition. Alors, en fait, ce qui se passe au bout de 5 ans, vous virez celui dont vous n'êtes pas content parce qu'il vous a trahi, mais ce qui se propose au choix, c'est lui ou le traître d'il y a 5 ans que vous avez viré parce qu'il vous a trahi les 5 années d'avant et que vous êtes obligé de reprendre parce que vous n'avez le choix qu'entre ces deux-là. J'exagère ou bien j'exagère pas, je crois qu'on est vraiment dans le cas figure. Alors, c'est vrai qu'il y a des petits outsiders qui pourraient, normalement, si on n'était pas bêtes, ils nous sauveraient, ça, quand même. Si on votait, c'est notre faute, quand même. C'est nous qui votons pour ces affreux, c'est toujours les mêmes. Bon, n'empêche que, c'est vrai, hein, mais le fait est que depuis 200 ans, puisque ça fait 200 ans qu'existe le gouvernement représentatif, ça fait 200 ans que, depuis la Révolution française, 1789, 1776 aux États-Unis, ça fait, en gros, 2 siècles, que nous pratiquons le suffrage universel. Et là encore, je mets des guillemets, parce que ce suffrage universel, c'est ce dont je vous parlais, c'est-à-dire que ça consiste à désigner des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis, et sans avoir moyen de résister quand ils ne font pas ce qu'ils avaient promis, ou ce qu'on attendait d'eux. Quand on trouve « Ah mince, on s'est trompé », eh bien vous êtes trompé, tant pis, vous allez en prendre dans 5 ans. Il n'y a pas de moyen de résister. Donc suffrage universel, moi j'imagine autre chose, suffrage universel, nous serions ici, alors,
On est à Lyon, nous serions dans le 5e, je crois. Donc nous sommes l'Assemblée du 5e arrondissement de Lyon et nous allons voter nos lois. Donc il y a des tirés au sort qui ont préparé les lois sur les sujets de l'ordre du jour. On est au courant parce qu'il y a un ordre du jour, donc on a préparé un peu. On est sénile, on ne va pas discuter à sénile, hein, mais par contre on a préparé le truc et on va voter. On ne discute pas pendant l'Assemblée, mais on va voter. On va dire ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. Et c'est ça le suffrage universel. Enfin, il me semble que le vrai suffrage universel dans une vraie démocratie, donc il faut comprendre que dans certains cas, je vais dire suffrage universel avec des guillemets, c'est celui d'aujourd'hui. Je vais dire démocratie avec des guillemets quand c'est aujourd'hui. Et puis quand je vous parlais de la vraie démocratie, je vous parlais de démocratie et de suffrage universel, mais voilà, digne de ce nom. Donc, aujourd'hui, on voit des gouvernants qui ne servent pas l'intérêt général, qui servent l'intérêt d'une toute petite caste ultra riche. On voit que nous ne pouvons pas résister et que, en fait, démocratie, nous n'avons pratiquement aucun autre pouvoir que celui de désigner des maîtres, ce qui est quand même même pas le minimum. Quoi, hein, je veux dire. En tout cas, on est très très loin du mot démocratie. Tout ça. C'est pas du tout, hein, ça tombe pas du ciel, c'est pas une loi divine. Oui, ça se passe comme ça partout dans le monde, c'est vrai. Enfin, il y a pire, hein, il y a des dictatures, c'est encore pire. D'accord, je sais ça. Mais on n'a pas, le choix n'est pas que entre dictature épouvantable militaire avec on jette les gens en prison, on les torture, et puis le gouvernement représentatif dans lequel les banques nous condamnent aux travaux forcés. Donc il y a d'autres branches à l'alternative. Il y a d'autres possibilités, vraiment. Pourtant, dans tous les pays du monde, et à toutes les époques depuis 200 ans, les constitutions, qui sont les textes dans lesquels sont programmées cette impuissance, donc ça ne tombe pas du ciel, c'est écrit quelque part notre impuissance. Le fait que nous ne pouvons qu'émettre des maîtres parmi des gens qu'on n'a pas choisis et contre lesquels on ne pourra rien faire quand on ne sera pas content, c'est ça la situation actuelle. C'est écrit quelque part, dans un texte ultra important dont tout le monde se fout. On a à la fois le problème là et la solution. Hein, parce que le jour où on va s'arrêter de s'en foutre, ça va tout va changer. Pour plusieurs raisons. On en parlera quand on sera à la fin sur les solutions. Mais pour plusieurs raisons, vous allez voir qu'il y a plein de raisons d'être optimiste là-dessus. Parce que ça va nous réunir. C'est-à-dire que là où on est divisé, c'est une chose simple pour laquelle il faudrait se battre. Je vous en parlerai à la fin. Donc, pourquoi est-ce que dans toutes les constitutions du monde, on voit programmer la même impuissance des peuples, à quelques pouillèmes près, hein. En Suisse, ils sont moins puissants quand même. Hein. En Suisse, il y a quand même l'élection avec les faux choix. Mais ils ont une arme que nous n'avons pas. Et qui existe dans quelques pays, hein, qu'il faut connaître, qui s'appelle le référendum d'initiative populaire. Tout le monde ne sait pas ce que c'est, pourtant ça parle, hein, c'est bien dit, le référendum d'initiative populaire, ça dit bien ce que ça veut dire. Je vais vous donner un exemple, vous allez voir, comme ça vous aurez compris très vite. L'année dernière, nos parlementaires ont commencé la destruction de notre régime de retraite. Il y a une autre conférence, un autre sujet, là on va parler de démocratie, mais une conférence sur la dette et le financement de l'économie. Et dans le financement de l'économie, il faut que je parle de la retraite, et là je prends le temps de détailler. Ce soir, je n'aurai pas le temps. Enfin, sauf si dans les questions, ça vous intéresse, on en parlera. En tout cas, l'année dernière, nos parlementaires, les gens qui nous représentent, les gens qu'on a élus, enfin nos maîtres, quoi, hein, c'est plus clair quand on dit nos maîtres que nos élus. Nos maîtres ont commencé à désinguer, à détruire notre système de retraite, en passant de l'âge de retraite à 62, mais vous savez que l'objectif c'est 70, 72, 74. Donc, ils ont commencé, ils sont passés à 62. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour résister? On est descendu dans la rue, on était des millions, ils s'en tapent totalement. Ça c'est clair, ils s'en foutent complètement. Avant, on avait des acteurs politiques qui avaient un peu de vergogne. C'est important le mot vergogne. Je vais arrêter de vous faire la parenthèse, excusez-moi, mais vergogne, c'est un mot super important. Un mot dont j'ai découvert l'importance, alors on sait tous ce que c'est que la vergogne en gros.
Mais il y a un petit bouquin, Démocratie, une très bonne anthologie, Bruno Bernardi, c'est un petit bouquin très léger qu'on peut garder dans ses poches tout le temps, et dans lequel j'ai trouvé, je vais vous lire, vous allez voir, je vais vous lire un passage. La vergogne, c'est l'importance que nous donnons à l'opinion des autres. Il y a des gens qui ont de la vergogne, il y a des gens qui sont gênés quand les autres, quand il y a un regard réprobateur sur eux. Il y a des gens qui ont envie de se donner du mal pour le bien commun quand il y a un regard bienveillant qui se porte sur eux et reconnaissant. Ceux-là ont de la vergogne. C'est bien pour la cité, c'est bien pour vivre ensemble. Par contre, ceux qui n'ont pas de vergogne, ceux qui n'attachent aucune importance au regard des autres, qui se foutent pas mal qu'on soit malveillant ensemble, qu'on ait un regard malveillant, un regard réprobateur, ils s'en foutent totalement, ils n'ont pas de vergogne. Vous êtes reconnaissant par connaissance, de toute façon, ce n'est pas leur problème, ce n'est pas ça leur moteur, c'est autre chose. Alors, je vais vous dire ce que Platon expliquait dans Protagoras, je crois. Il fait parler de Zeus, hein. Donc Zeus répondit, je passe, mais il faudrait le lire en entier, mais je vous dis juste le petit passage qui m'intéresse. Qu'on mette à mort comme un fléau de la cité l'homme qui se montre incapable de prendre part à la vergogne et à la justice. Bon, ils étaient un peu brutaux à l'époque, hein, mais on n'est pas obligé de faire pareil aujourd'hui. Mais on pourrait quand même faire attention dans le choix des gens qui nous représentent, ou des gens qu'on écoute, des gens qui... On devrait apprendre à l'école, d'abord à développer notre vergogne, c'est-à-dire à donner de l'importance au regard des autres, et puis à utiliser ce critère, est-ce qu'il a de la vergogne ou pas, est-ce qu'il a de l'empathie ou pas, est-ce qu'il est capable de se mettre à la place des autres, dans l'évaluation des gens. Parce que pour l'instant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais pour faire de la politique et devenir le président de la République, il n'y a besoin de rien, pas de diplôme du tout, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'examen, on n'a rien vérifié, quoi, hein. On a juste vérifié que c'était le plus menteur, le plus coriace, le plus assassin, le traître qui est capable de tuer tous ses amis pour arriver au sommet du parti qui va le monter au pouvoir. Finalement, le système de filtre des partis, il fonctionne comme si il nous sortait les pires, un peu, hein, on a l'impression. Enfin bon, je ne développe pas, parce que je ne veux pas faire le complotiste, le paranoïaque, comment ils disent, le conspirationniste. Donc je continue. Pourquoi je parlais de la vergogne? Mais alors, le problème, quand je joue des parenthèses, c'est que le terme suisse. Je parlais d'exemple suisse. Les retraites. Ah oui, voilà. Merci. Heureusement que je vous ai. Donc, nos élus, nos maîtres, donc, n'ayant rigoureusement aucune vergogne, alors qu'ils venaient un an avant de dire non, la retraite, on n'y touchera pas, notre président de la République, un an ou quelques mois avant, disait non, mais la retraite, il n'est pas question d'y toucher, vous m'entendez? Il n'est pas question d'y toucher, je n'ai pas reçu le mandat d'y toucher, donc je n'y toucherai pas. L'année d'après, il commence à la déglinguer en disant, ou l'année d'après, ou un ou deux ans après, il la déglingue en nous passant déjà à 62 ans, et puis ça va se dégrader encore. Qu'est-ce qu'on a pour résister? Rien. On descend dans la rue, on blablate, on bavarde. C'est pas une démocratie. C'est un gouvernement représentatif, gouvernement prétendument représentatif. Moi, je fais la grève du mot démocratie, je n'appelle plus ça démocratie. Vous allez voir, je vais vous citer une citation de Sieyès, parce qu'on va nous dire, non mais ça s'est dégradé, c'était une démocratie au départ, et puis petit à petit, on a des problèmes, on n'arrive pas à garder la qualité du régime. Je suis en train de chercher mon document complet, parce que j'ai pour vous la citation. C'est pas vrai, c'était pas une démocratie au départ du tout. Pas du tout. Depuis le début, ils savent très bien que c'est pas une démocratie. Ils savaient très bien Sieyès. Sieyès était un abbé en 1789, qui était un des plus grands penseurs de la Révolution française. Quelqu'un qui a écrit Qu'est-ce que le tiers état? Vous savez, le tiers état, il y avait à l'époque, il y avait le roi, et puis il y avait les nobles qui avaient l'interdiction de travailler. Donc ils ne travaillaient pas du tout, jamais. Et puis il y avait le clergé. Le clergé ne travaillait pas non plus, il priait. Et ces gens-là exerçaient le pouvoir, et ils avaient tous les privilèges, et puis il y avait tous les autres qui étaient... Alors, le tiers-état. En fait, quand Sieyès parlait du tiers-état, il ne parlait pas du tiers-état, il parlait du 1% dans le tiers-état. Ce qui n'est pas du tout pareil, en fait. Hein. Il faut comprendre que la Révolution française, elle a été faite par le 1% du tiers-état. Donc les gens très riches, qui
qui en avait marre de voir le roi, les nobles et le clergé exercer tous les pouvoirs alors qu'ils n'avaient même pas d'argent, ils étaient pauvres par rapport à eux, eux étaient en train de devenir très très riches et ils voulaient le pouvoir. Et en fait, ils vont organiser des famines, donc ça s'appelle les guerres du blé, les guerres des farines, dans les 2-3 ans qui ont précédé la Révolution française, pour soulever, pour que le peuple n'en puisse plus, quoi, ça suffit, quoi, et qu'ils rejettent, qu'ils abattent les pouvoirs anciens pour prendre la place. C'est ça qui s'est passé, et Sieyès était un défenseur, non pas représentant tout, alors il parlait au nom du peuple, c'est Talleyrand, cette crapule de Talleyrand qui disait « agitez le peuple avant de s'en servir ». Je dis cette crapule, j'arrête pas d'ouvrir la porte. Je dis cette crapule parce que je suis en train d'écouter Guillemin, Henri Guillemin, il faudrait que vous notiez quelque part. Il faut absolument découvrir Henri Guillemin, G-U-I-2-L-E-M-I-N. Vous cherchez sur internet, c'est facile, vous cherchez Henri Guillemin, Napoléon, ou Henri Guillemin, la Commune, ou Henri Guillemin, 1914-1918, ou Henri Guillemin, 1939-40, 39-45. C'est pas les dossiers d'histoire, c'est à la manière de les dossiers d'histoire. C'est un gars, un vieux monsieur, je crois qu'il est français, alors c'est sur un site suisse, il habitait en Suisse, mais je crois qu'il était français. Et vous allez adorer, c'est un gars d'une loyauté, il est d'une honnêteté, d'une gentillesse, il est parfait cet homme-là. Il est un bosseur, il connaît le sujet et il défend. La cariatide, c'est nous, c'est le peuple, c'est les gens qui travaillent, c'est les 99% qui portent, cariatide, c'est les statues qui portent, et qui portent tous les autres, les nobles, le clergé, le prince, et puis les 1% qui ont pris le pouvoir en 89. Et il nous explique dans des petites conférences télévisées, donc c'est des vidéos d'une demi-heure, c'est court, ça s'écoute en voiture, ça se télécharge, ça s'écoute en voiture. On ne regarde pas la vidéo, hein, on l'écoute en voiture. Et là, c'est très très bien la voiture. Pour écouter les conférences, je vous recommande. Hein, ça vaut... Alors c'est compliqué à télécharger, le mettre sur un appareil, ensuite le brancher sur... Bon, il faut investir là, pour que ça marche ce truc. Mais ça vaut le coup après. Parce que quand vous avez un trajet d'une demi-heure, d'une heure et demie, deux heures, vous ne le voyez pas passer. C'est une merveille ce truc. Alors si vous écoutez Guillemin, il va vous expliquer la création du gouvernement représentatif, le régime dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il va vous expliquer Bonaparte qui assassine la Révolution française, qui tue les espoirs du peuple né à l'époque de Robespierre, 92-94, quoi, hein. Il y a 2 ans pendant lesquels le peuple a été défendu. Et après ça, c'est terminé, c'est le début de la contre-révolution avec la République bourgeoise. La République des riches pour les riches. Mais ben, ça, c'est un mot, on dirait un slogan de marxiste ou d'anarchiste. Enfin, je suis des étiquettes qu'on utilise d'habitude, des étiquettes infamantes là, qu'on utilise pour dire ah, c'est toutes les mêmes. Oui, je sais ça. Donc, mais écoutez Guillemin, vous allez voir, il n'est pas marxiste du tout. Lui, il est chrétien, c'est pas un marxiste. Mais il donne les 1000 exemples, les exemples qui ne trompent pas, qui permettent de comprendre qui commande depuis 200 ans dans cette soi-disant démocratie, qui n'est pas du tout une démocratie. Alors, avec Guillemin, vous allez voir que il n'y a pratiquement pas d'exception. C'est-à-dire que pendant 200 ans, c'est tout le temps les riches, qui ont fait la pluie et le beau temps, y compris les guerres. Et que quand on est allé se faire tuer, enfin quand nos parents sont allés se faire tuer, c'était pas du tout pour la patrie, pas du tout, c'était pour la banque et les affaires. Alors, juste une citation, vous allez voir, elle paye. Parce que tous les jours, je répète, tous les livres nous rappellent qu'aujourd'hui on est en démocratie. Ça, c'est avoir mis un mot à l'envers. On a pris le mot démocratie, qui est un très bon mot. C'est un mot super important. Pendant 200 ans à Athènes, ils ont tiré au sort, ils ont vécu en démocratie. Pendant 200 ans, c'est les 99% qui commandaient. Et les 1% de riches qui n'ont jamais, jamais ils ont commandé pendant 200 ans à Athènes dans une vraie démocratie. Je vous fais pas perdre votre temps avec un truc qui a pas d'enjeu. Il y a un vrai enjeu. Aujourd'hui, on est dirigé par les 1% parce qu'on n'est pas en démocratie. Donc si on accepte d'appeler démocratie le régime qui pose problème, si on appelle du nom de la solution le problème,
on s'interdit de formuler, on s'interdit de la concevoir, on s'interdit de vouloir la solution. Vous comprenez, c'est super important de travailler sur le mot. Donc, ils ont réussi à mettre le mot démocratie à l'envers, à nous faire appeler démocratie un truc qui, dès le départ, était pas la démocratie. Alors, c'est important que je puisse vous donner les armes dans la discussion qui vont vous permettre ensuite. Parce que quand vous allez sortir, vous allez voir, ils croient tous qu'on a la démocratie, puis ils y croient dur comme ça, c'est normal, ça fait 50 ans qu'on nous dit démocratie, égalité, égale démocratie, et en disant démocratie, en disant démocratie, en disant démocratie, ah voilà ce pays, il sort de la tyrannie, il arrive en démocratie. On nous rebat les oreilles avec ce refrain depuis des dizaines d'années, ça laisse des traces, donc vous allez voir qu'il faut un moment pour se désintoxiquer. Alors. Je pense que vraiment, là, cette citation, vous allez voir qu'elle a, elle vaut son pesant pour la gratter. Vous allez voir. C'est Sieyès qui parle, donc un des grands penseurs, un des plus grands penseurs de la Révolution française, quelqu'un qui a gagné Thermidor, qui a assassiné Robespierre et puis qui a mis en place le gouvernement des riches après. Avec cet enfoiré de. On dit pas ça. Avec ce salaud de. Non, avec ce coquin de Benjamin Constant, cette crapule de Talleyrand, ce voleur, cet aigrefin de Napoléon, etc. Alors qu'est-ce que disait Sieyès ? Écrit un discours en 1789, donc c'est pas du tout caché, hein, c'est très très clair. Ouvrez les guillemets, Sieyès parle, l'abbé Sieyès. La France n'est pas une démocratie et ne saurait l'être. Alors je suis en train de me tromper de. Enfin, cela est pas mal aussi, hein. La très grande pluralité de nos concitoyens n'a ni assez d'instructions, ni assez de loisirs pour vouloir s'occuper directement des lois qui doivent gouverner la France. Leur avis est donc de nommer des représentants. Non, mais j'en ai une meilleure de citation. Où est-ce que je l'ai mise ? Tourieux. Alors, Chouard, qu'est-ce que tu as fait de ton truc, là ? Bon, je la retrouve trop. Elle est bien, vous avez... Vous allez attendre un peu, mais vous allez voir les. Ça fait bien quand il s'arrête. Voilà. Alors, ce n'est une autre décision. Parce qu'il le disait sur tous les. Il le répétait sur tous les tons, hein. C'était un refrain, mais qui variait. Alors on est parti, ouvrez les guillemets. Les citoyens qui se nomment des représentants, qui se nomment à eux-mêmes des représentants, renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. Là, il parle des autres, hein, parce que lui, il sait qu'il est élu et qu'il va écrire les lois. Hein. S'ils dictaient, les citoyens, s'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, c'est Sieyès qui parle, hein, je vous promets, dans un pays qui n'est pas une démocratie, ouvrez la parenthèse, et la France ne saurait l'être, fermez la parenthèse, ça ne peut pas être plus clair, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Bah, moi je trouve que c'est quand même, ça mérite d'être clair, c'est-à-dire que quand on nous dit que c'est une démocratie, on se fout de nous. C'est-à-dire que ce sont des élus qui ont mis en place un système où on élit les représentants, c'est-à-dire eux, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place un système qui les mettait eux au pouvoir. Donc c'est sûr que si on demande à des futurs élus, des gens qui se projettent dans l'avenir, ils sentent qu'ils vont être candidats et qu'ils vont très probablement être élus, parce qu'à l'époque, la plus grande partie de la France était analphabète, hein, donc il n'y avait pas beaucoup de candidats. Et donc, ça se comprend que des élus, à l'époque, aient décidé de choisir l'élection. D'ailleurs, on peut peut-être leur faire le crédit de penser que, effectivement, à l'époque, comme l'éducation n'était pas encore aussi développée qu'aujourd'hui, il n'y avait peut-être pas d'alternative. Il fallait désigner parmi une petite élite qui n'était pas nombreuse, peut-être à l'époque. Admettons. En fait, quand vous voyez, quand vous écoutez Guillemin, hein, quand vous voyez ce qu'ils ont mis en place, mais tout de suite après, là, Napoléon, et puis la Restauration... C'était pas parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, c'était parce qu'ils voulaient la place et le fromage. C'était des millions d'époque, hein, des millions, des sommes colossales qu'il s'agissait de prendre la cariatide. Donc, qu'est-ce qui fait
que dans tous les pays, parce que là c'est la France, mais c'est comme ça partout dans le monde, hein. Partout dans le monde, les constitutions programment l'impuissance des peuples. Presque partout. Bah oui, mais presque partout. Hein. C'est vrai, merci. C'est pas un complot. C'est pas un complot partout dans le monde, à toutes les époques, depuis 200 ans. Non, non, c'est pas ça, c'est autre chose. Il y a une raison qu'il faut chercher, qu'il faut comprendre. Si on comprend la raison, formuler un problème, c'est l'avoir à moitié réglé. Si on arrive à trouver la vraie raison, on est vraiment sur la voie de régler notre problème. C'est mieux que ça. Je vais vous donner ma méthode. Et je ne l'ai pas inventée, je l'ai piquée à quelqu'un qui est formidable. Ce quelqu'un, c'est Hérodote, donc il y a 2500 ans. 2500 ans, je crois que c'était à l'époque d'Athènes. Hérodote, un médecin, nous a laissé une toute petite phrase que je trouve, pas importante, que je trouve extrêmement importante et utile. Une phrase qui, moi maintenant, elle fait partie de mes rouages, elle fait partie de ma mécanique intellectuelle. Cette phrase d'Hérodote, qui était médecin, son conseil qu'il nous a laissé, c'est chercher la cause des causes. Ça, je vais bientôt commencer à écrire dans mon bureau des aphorismes, des grandes phrases, celles qui comptent, là, vraiment les plus fortes, les plus importantes. J'ai découvert que Montaigne faisait ça et je trouve que c'est une idée formidable, ça. C'est-à-dire que si dans notre salon on mettait pas de démocratie sans tirage au sort, la prochaine fois que vous recevez des invités, il y a un poster dans le salon, juste au-dessus de l'aquarelle, il y a « Pas de démocratie sans tirage au sort ». La prochaine fois que vous recevez des amis, vous allez voir, vous parlerez moins de la recette, de vin, de foot, de people, de ce dont ils nous ont parlé à la télé, ils m'en sont fous. Pourquoi t'as écrit ça, là? Et puis vous allez avoir un sujet de conversation qui va être... Donc dans les aphorismes que je vais mettre, je pense que je vais, dans les premiers, je vais mettre « Chercher la cause des causes ».